na Kishasa na ba Lubumbashi na ba Kolwezi bodi ba nyama kotumba bodi ba saucisson bodi biloko nyoso biso batu ya est ndoto ebi pasi ya Congo lelo yo mutu ya okona na mayonnaise na saucisson oya kolobela makambo ya mboka yo yo tika biso batu toza na pota na nzoto ndoto ebi so affaire bitumba affaire bitumba bazwa famille mususu bakoti sango na ndako ba beti bombe hein ba ebi si mama na pa, mama na mwana ne ba sibana hein bo beta masola bitumba bo mona bitumba bino batu akuna bo mona ka bitumba ya ya diplomatique ka soki diplomatie bolobaka biso ndeto ebi bitumba ya masasi bitumba ya masasi biso ba, biso batu ya est na olinga na loba bana na biso ya est bana na biso ya est watoto yetu wa est fachi beton number 1 fachi beton munataka turudie mwile ukoloni ya kutemea mate mukicho bolingi toki baponi fachite bolingi mto zonga lisusu ya kosopela biso ma, 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 basoi na munoko eh bolingi bolingi to zonga lisusu munataka turudilele maisha na miambia mtu wa este mwenye atachagula Moizi Katumbi. Moizi Katumbi. Zela na peso kaka verite. Koza mtu te ya este akoponao. Bosana. Bosana papa. Bosana. Mtu te. Hakuna mtu wa este mwenye atachagula Moizi Katumbi. Mtu te ya este akopona Moizi Katumbi. Bisonde toebi sufranza ya bitumba. Na ba eleksyon yose le kaka Kongo. Plasi ba letisaka ba prezident za este. Eza est du Congo ndeto zaka très peuplé. Hein. Biso tokufa ka mikolo nyoso peto bota maka mikolo nyoso. Liboma ya mama nao. Mukulisho le bloc le mwana anandika liboma. Katumbi italien. Ba diamant nyoso ya Kasai akome mango na Egypte. Ba diamant nyoso ya Kasai akome mango na Egypte. Na sina bisi bino. Eza ngai un mois nyoso eza propagande. Ngamo ona okita na mboka. Seza mboka na gana banga nini? Eza mboka na gana soki bazwe na Kongo bako beto masasinani. Ngana za mai mai na zana bantibali. Na kukanga porte bwe na limwe. Bosa kanande na batu eh. Bosa kana bo kia batu ba je. Bo tike la biso ba je. Bo tike la biso ba distraction. Papa Fachi. Papa Fachi beto papa nanga. Tia mote mano kimia. Este na biso oleki deja. I depesse. Eza likolo na est. IDPS eza likolo lelo ba kongole bo bandolo ba omwe ata kabila azonga. Pona nini? Ka eti kabila arudi. Azonga wapi? Kabila azonga wapi? Kabila muto aboma ba 3 soki 3 bilio ba tuna Kongo. Ba mususu ba ebaka na kati ata soki ba kufa. Merci pour na ba chapeau. Bon pesa nga ba kado. Ba msusu ba eba nakata te. Ba eba nakata te. Moizi, Moizi Katumbi mwana mboka Lubumbashi eh. Boka nisaka Kongo saka ka Lubumbashi. Lubumbashi nde, nde vile za pauvre na Kongo. Botu na biso batu est. Tobuka bite kute kuna simandako. Oke kaka na Tanganyika bo. Osali kama zelu muke obimisi or. Botu na baka sae batu ya diama. Richesse ya Kongo eza na est. Toza fier na Kongo na biso ndeti na ba Rwanda. Ba mona la kabiso po eza. Eza place ya richesse. Hein? Bosa kanande na batu. Katumbi Katumbi c'est quoi? C'est qui? Osomona na poto. Osomona na poto ba ba pesi bana na biso ba tangi koto ba pesi bango ba komi ba président. Ata bu premier ministre mundela koto peso te bi oza étranger. Oh bozote exemple ya Obama. Obama mama na za mundele. Na poto koza ka material car. Na poto koza ka patrial car ate. Pa na biso na Congo koza ka patrial car. Bo ki la biso ba distraction. Eh? Oh Katumbi. Katumbi seki. Seki o Congo. Aza nani. Na sina biso bino nga. Nga moko na ko motive bana na biso a est. Po ngande batala ka nga mingi na monde. Na ko motive bana na biso a est. Il faut Moïse nani. Na bo tata mwana kolanda Moïse te. Il faut bana na biso est. Fachi beton. Fachi beton. Beton. Fachi beton. Ba mwizi.
Bale ba mwizi bote njobe kona tafuteti. Fachi atoke juu banze kukula, makuta. Fachi be beton. So, kama kwa mtoto wa este hapa andika yes. Kama utachagula Fachi andika yes. Soki kopona Fachi koma yes na komantere. Il faut tole kisa Fachi. Tokole kise by force by fire. By force by fire. Fachi azoleka. Olinga. Olinga te. Boke nena wakisi. Boktambo la bulumbu. Fachi azoleka. Merci pour la bakado chérie de mon cœur. Akoleka. Toebi valeur ya Fachi na est. Toebi avantage na valeur ya Fachi na est di Congo. Bisonde toza na pota na nzoto. Bisonde to mona bitumba. Merci Nani Valentine International. Bison de tomona bitumba. Fachi azolek. Olinga. Olinga te. Atabana mouke bazana ni bumumba kopona. Kabila. Kabila za Rwande. Kabila oko loba loba kata za Rwande. Ah, lelo fachi ako mi Rwande. Omwende kona biso aiba biso. Omwende kona biso aiba biso Kongo nyoso. Ezana maboko ande kona biso. Rwanda iba biso iba 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 asilisa alobi siko na bitikeli bino mboka na bino na badefete Fachi papa iba ti oti ti suka oibe la bala na biso ya Congo iba ti suka papa simona na biso mboka étranger ko iba biso omwe Fachi na biso iba biso eza problème te papa iba ti suka soki oibi lelo mama Denise Nyakero akokuta ngana nzela d'accéder à l'éducation. Voilà l'idée de la gratuité qui ne va pas s'arrêter là parce qu'il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'il y ait la gratuité au secondaire. Tout le monde aujourd'hui qui a raté le parcours scolaire n'a plus l'âge de revenir et de recommencer au niveau primaire. Donc il faut prévoir aussi pour ceux qui ont l'âge ou qui s'étaient arrêtés en primaire et qui doivent continuer au secondaire. Donc il faut faciliter l'accès à l'éducation en général pour tous les Congolais. Et il fallait des hommes et des femmes de qualité et de bonne santé. D'où la réflexion sur la couverture santé universelle. Celle qui va permettre à nous, à tous nos compatriotes, sans distinction de catégorie sociale, d'origine, tribale ou quoi que ce soit, que tous les Congolais, là où ils sont, qu'ils puissent accéder aux soins de santé et que cela puisse leur permettre de travailler à la reconstruction du Congo. Et évidemment, il fallait pour cela donner des opportunités. Quand vous avez des gens formés, vous avez des gens en bonne santé, mais qu'est-ce que vous en faites? Pas des chômeurs comme on voit aujourd'hui, le flot de nos jeunes qui sortent des universités et autres écoles pour rester au chômage et se débrouiller finalement. Donc il fallait créer des opportunités. Et comme nous avons une population composée à plus de 60% de jeunes, il fallait donc avoir une politique, une pensée pour accompagner ces jeunes, promouvoir leur travail, leur engagement. Et c'est une chose que j'ai toujours remarqué et toujours dit. Partout où j'étais, avant même de devenir président, j'avais remarqué le génie congolais. Et ma peine était de voir vraiment tous ces Congolais avec cette ingéniosité passer comme ça pour rien, ne rien faire, quitter le Congo, aller dans des rêves qui sont en fait des chimères. Ces pays où on croit qu'on va améliorer notre vie alors que là-bas, on sera considéré comme des citoyens de seconde zone et on ne sera pas mis suffisamment en valeur. Et je me suis dit, c'est par l'entrepreneuriat que nous pouvons garder nos jeunes ici et les mettre dans des conditions pour qu'ils puissent compétir avec tous les autres jeunes du monde. Et aujourd'hui, si je dis que c'était... Si j'ai dit que c'était un jour heureux pour moi, ben c'est parce que je remarque, je constate que ce que j'avais entrepris il y a bientôt maintenant 5 ans est en train de donner du résultat.
À charge pour nous maintenant, nous, décideurs politiques, de vous accompagner. Nous avons mis les instruments juridiques et financiers, mais ça ne suffit pas. Nous devons, au quotidien, au jour le jour, faire une sorte de bilan, voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et c'est vraiment ce qui m'a permis, qui me satisfait, parce que c'est ce qui m'a permis qui m'a été permis de faire aujourd'hui grâce à cette soirée. Parce qu'en entendant les uns et les autres, j'ai compris où on avait été et où on s'est arrêté jusque-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer davantage. Et vous pouvez compter sur moi, sur le fait que ce que nous avons commencé, nous allons le continuer et le parachever. Le projet qui est là, comme je l'avais dit, merci à celui qui m'a rappelé que c'était à Abuja, j'avais parlé de mettre sur pied un fonds de garantie pour accompagner l'entrepreneuriat, le projet qui est là, et aujourd'hui j'ai eu vraiment l'occasion de voir ce qu'il fait dans l'accompagnement de nos entrepreneurs. Bravo à l'équipe dirigeante du FOGEC. L'ANADEC est là pour vous encadrer et bravo aussi à cette équipe de l'ANADEC. Bravo à la PROSEM. Je constate simplement, chers décideurs, que nous mettons plus de moyens ailleurs que dans cette structure-là. Désormais, je veillerai à ce qu'il y ait encore plus de moyens pour vous accompagner. Le fonds spécial pour la promotion de l'entreprise, de l'entrepreneuriat des jeunes, là, ça aussi, c'est une institution que nous devons accompagner. Il a un DG formidable, très dynamique, une équipe autour de son DG qui est très dynamique, et ça m'a donné l'occasion de découvrir tout cela, de voir qu'il y a simplement quelques mois qu'on a mis cette institution sur orbite et qu'elle fait énormément de choses sans grands moyens. Donc vous pouvez compter sur nous. Cette fois-ci, nous allons essayer de donner beaucoup plus de possibilités à ces entreprises qui travaillent très très bien, à ces agences, pour qu'elles puissent vous accompagner davantage. Mais comme vous le savez, pour espérer, prospérer et vous mettre davantage dans de meilleures conditions, nous avons besoin de paix et de stabilité. Je peux vous dire que beaucoup de moyens sont dépensés en ce moment pour renforcer nos capacités sécuritaires de défense. Parce que tout simplement, nous avons des voisins qui ne sont pas très aimables, j'allais dire, qui ne sont pas très solidaires, pas très amicaux, et qui sont en train de tout faire pour nous perturber dans ce que nous faisons. Cela ne va pas nous décourager, parce que nous savons l'objectif que nous poursuivons, et nous sommes convaincus que la République démocratique du Congo atteindra ses objectifs et se relèvera, redeviendra le moteur qu'elle doit normalement être au cœur de l'Afrique. Je compte sur vous, chers entrepreneurs. C'est pourquoi j'ai lancé cette politique du développement local des 145 territoires. Cette politique est faite pour offrir des opportunités aux Congolaises et aux Congolais d'abord. Il y aura énormément d'opportunités. Vous avez parlé des marchés publics, de vous ouvrir à ces marchés. Eh bien, il y en aura pour vous. Les PME congolaises, vous aurez tout ce qu'il faut pour que vous soyez compétitifs. Seulement, je vous demande en échange de faire aussi un effort pour que de votre côté,
Vous soignez ce qu'on appelle le service. Que vous vous acquittiez aussi de vos devoirs. Parce qu'un pays se construit aussi avec le fruit des impôts que ses citoyens payent à l'État. N'essayez pas de frauder. Ça ne sert à rien parce que toute fraude est un coup porté au développement de notre pays. Et nous, de notre côté, nous aurons l'obligation de mettre en œuvre une administration qui ne sera pas en train d'étrangler les entrepreneurs par une rage taxatoire qui ne dit pas son nom, mais nous allons essayer de mettre de l'ordre pour, dans un premier temps, pour les entreprises qui démarrent, faire plutôt une pédagogie, un accompagnement pédagogique, au lieu d'arriver directement et de taxer comme ça, d'étrangler et d'étouffer ces entreprises dans leur expansion. Donc nous allons tout mettre en œuvre pour faciliter le climat des affaires. C'est pourquoi d'ailleurs, depuis quelques années, j'ai une cellule au niveau de la présidence et je félicite vraiment le travail de mon équipe du climat des affaires parce qu'il nous a permis, ce travail en tout cas, à faire un bond en avant. Il y a encore, vous le savez, quelqu'un a parlé du baromètre ici du climat des affaires. C'est vrai que nous avons progressé, mais la marge de progression est encore énorme. Elle est à faire et nous n'allons pas nous décourager. Nous allons le faire. Ce que je voulais et tenais à vous dire, c'est que aujourd'hui, il y a des autorités dans votre pays qui sont disposées à vous écouter et surtout à vous accompagner. Parce que votre victoire sera la nôtre. Votre victoire sera celle de la République démocratique du Congo. Et c'est ça mon rêve. Je serai heureux de quitter la présidence de la République et de regarder mon pays progresser parce que j'aurai contribué à travers vous à faire progresser ce pays. Je crois en vous et c'est pourquoi j'ai entendu vos conseils, j'ai entendu vos réclamations, vos remarques. Je vais y travailler pour que nous habituons à consommer congolais, pour que nous nous habituons à promouvoir les produits congolais et que nous nous habituons à protéger la production congolaise. Quelqu'un a parlé de l'indépendance économique, eh bien, il n'a pas eu tort parce que nous sommes vraiment au cœur même de ce combat. Rappelez-vous, lorsque j'ai déposé ma candidature, c'est ce que j'ai dit. Nous avons obtenu notre indépendance politique il y a une soixantaine d'années maintenant. Le vrai combat, les vrais...